Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universis 4. Donc, on reprend notre petite partie et j'ai pris une grande décision du verbe priter, à savoir, je fais la paix. Est-ce que je peux y gratter un peu de thune? Je fais la paix. Et qu'est-ce qui se passe? In extenso. Ben, je me retrouve de facto en guerre avec l'Ottoman. Donc, on va devoir aller s'occuper de ça. Voilà, je me retrouve en guerre avec l'Ottoman. Donc maintenant, on va libérer les provinces de l'Autriche. On a nos armées qui sont là-bas. On va recruter du mercenaire, mais comme des sagouins. Infanterie de mercenaires, on va recruter du mercenaire ici, on va recruter du mercenaire là, et on va recruter un troisième stock de mercenaires ici. Voilà, on va faire du mercenaire et on va se préparer. Le Ming, pas de soucis, alors traverser mon territoire. Voilà, et là ce qui se passe. Ça va être métage sur la gueule de l'Ottoman. Bon, il y a un tout petit peu des troupes. Transport, c'est pas une flotte de transport, c'est une flotte de guerre. Et on va aller s'occuper de l'Ottoman. Alors l'Ottoman, ouais, je vais voir ça. Quelle est sa 46 navires lourds, cet enculé? Bon, on va déjà aller se mettre là-bas. Voilà, et là. Autriche n'est plus une grande puissance, Mogol n'est plus un rival valable. Ok, là ce qu'on va faire. Ah putain. Ceux-là. Ouais, bah ceux-là, je vous dirais honnêtement, on s'en bat les couilles. Ça va à Rejon. C'est quoi? C'est des paratistes de Trivienne. Dès qu'on a fini siège, on s'en occupera. En quel ch'tou? Ouais, on va défoncer ça. Ensuite, on va là-bas. Les muscas chatons. Est-ce que j'ai une armée au sud? Putain, j'ai que ça. Ingolstadt. Ok, et là maintenant, on va serrer les fesses. Parce que l'Ottoman, il a plein du monde, il y a plein des armées. Bon, ça, c'est mes trois armées qui fusionnent. Fin du siège de Tyrol. Ok, le siège de Tyrol est terminé. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on va aller se mettre. Ah merde, il n'y a personne à Prague. Mais on va s'occuper de Prague. Quoique, on va aller d'abord s'occuper du Pécor là-bas. Ah. L'armée est arrivée à 30. Cassius Belli perdu. Flotte perdue. Ouais. Le détroit de Gibraltar. Ouais, bon, on va. Ok. Donc, ça, on va mettre tout ça. Bon, on va tous les mettre à Almera pour le moment. On a fini le siège de Liegnitz. Liegnitz, c'est là. Donc ça, on va aller s'occuper de Prague. Bataille de Kakchenidas. Ouais, c'est eux. Ok, ben ils sont dessus, là-bas. Nickel. Toi, tu veux te marier. On accepte. Le siège de Landshut. Landshut, c'est où? C'est ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ce qu'on va faire avec ça... Avec qui on va s'amener par là-bas? Non, on va s'amener par là, par là-bas. Eux, ils sont en train de finir. Est-ce, ouais. Qu'est-ce que je voulais regarder? Ouais, l'embargo. On va annuler l'embargo. Voilà. Ah oui, la flotte.
On va recruter. On n'a pas de points. 314 navires. Donc ouais, non, la Méditerranée, on oublie. On va pas aller s'amuser par là-bas. On va plutôt se mettre. On va plutôt attendre. Je vous dis. Est-ce que le détroit de Gibraltar. Ouais, on va aller se mettre à. À Ceuta. Ingolstadt, il y a les dernières armées qui arrivent. Ici, lui, on va recruter un commandant aussi. Soyons fous, histoire qu'il y en ait un. On a fini le siège d'Alsace et d'Opferfalz. Ok, donc ça, on va les foutre là-bas, par exemple. Opferfalz, c'est où Opferfalz? Alsace et... non, on va les arrêter là. Le truc, c'est que l'Ottoman, il a quoi en manpower? Il a 280. Est-ce qu'il reste du manpower? C'est ça que je voulais regarder. Je suis con. Qualité des armées. Le plus de discipline, c'est qui? C'est nous. Il y a 110. Ah, mais j'ai plus de morale que lui, j'ai plus de tout. Je vais le défoncer. On va laisser s'avancer. En trêve, ok. Là, on attend que là-bas on ait fini. Ok, ici, là, ce qu'on fait, on fusionne. On fusionne, j'ai dit, et il faut 8000 hommes. Donc là, ce qu'on fait, on prend 8000 hommes. On envoie là-bas. Le siège de Vienne est terminé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc là, on va les reprendre. Carnterne, il a coup, mais il a du siège, lui? Non. On va les prendre Carnterne. Voilà, le but, c'est qu'on ait des armées qui puissent bouger assez vite. Notre armée est arrivée en Chto-Chto. Là-bas, elle est arrivée. Là-bas. Ok. Notre armée à trêve. Très bonne nouvelle. Ok, donc là, on a tout ça. Donc avec ça, je dirais bien honnêtement. Ah, c'est celui-là qu'on a fini de fort. Je vais attendre que l'autre armée soit arrivée là-bas. Autriche, ouais. Ouais, et celle-là d'armée. Voilà, on attend que tout le monde soit là-bas et on va aller leur mettre sur le coin de la gueule. Nouvelle province légitime, ça c'est des bonnes nouvelles. C'est-à-dire moins d'expansion agressive, moins de rébellion, moins de tout ça, moins de tout ça. Côte des Indes, ouais, j'ai plus de crédit à payer. Non, des idées. Économique, coût des constructions, moins 10%. Ou si je me prenais. Est-ce que. Je sais pas. On attend, voilà, on y va avec nos 120 000 hommes et on va aller se défoncer ça. Ouais. Hop, hop, hop. Pouah! Ouf, ça fait mal. Hop, 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 on va baisser la vitesse. Le siège de Prague est terminé, il va où lui? Il va Gnierzo, donc on va le défoncer. Le siège de Prague est terminé. Bon, on va les libérer. On va les libérer ça. Avec ça, on avance là-bas. J'ai une armée. Est-ce que j'ai une armée de 40 000 qui traîne? Non. Donc ben lui, on va le transformer en armée mixte régulière. Ça, on va les emmener là-haut. Voilà, là on stack. Oh bah en fait non, ça se passe plutôt pas mal. Lui il va où? Il va à Chernetz. Voilà. On attend qu'il soit arrivé.
On attend qu'ils soient loqués. Ils sont loqués. Ok. Celle-là, elle va là. Ostmark. On va l'enlever là-bas. On va les envoyer là-bas. Oh, c'est beau ça. Ah bon, stack quoi épuise. On stack quoi épuise, là, ça se passe plutôt pas mal. Lui, il va où? Tiens, arc Xnesen. On attend que ce soit loqué. C'est loqué, j'avais pas vu. Putain, le pécor. On va aller là-bas, Posen. Eux, on va les mettre avec Jiglo. Ah bon, ouais, bah en fait, on fait du stack wipe en boucle. Hein. On attend qu'il soit loqué pour la Posen, lui. Ils sont loqués. Lui, on l'envoie là-bas. Lui, on l'envoie là-bas. L'Autriche occupe Brune. Ok, donc avec ça, on va les dessiéger les princes par là-bas. Là, nous, on finit, on s'amuse à défoncer les troupes de l'Ottoman. Hop, encore un stack wipe. Oh, c'est trop beau, ça. Lui, il va où? Il va poser. On va pas s'emmerder à l'attendre. On va... Ok, ce qu'on va faire, il arrive là. Donc lui, il est full. Lui. Ah bah il est mort. Bon bah voilà. Ils vont où? Ils vont à Breslau. On va... Et lui, il va où? À Transin. Ouais, bon bah il se casse en fait. Voyons. 24-016, lui il est prêt. On va l'envoyer à Breslau. 24-0, on fusionne, on fusionne, et donc, 24-0-16, on a combien d'hommes? Il nous en manque, ici il nous en manque 5, 6, 6000 hommes il nous faut, split qu'on envoie à Breslau. Ouais, donc Bogota, ils sont arrivés là-bas. Est-ce que Bogota... Ah bah je l'avais défoncé. Ok, on est plutôt pas mal. La Grande-Bretagne, ouais, on a engagé l'ennemi à Breslau. Ça, c'était de la bataille difficile. Ils sont arrivés à Breslau. Ok, donc là... tac... Tac. Tac, tac. 24-016, ok. Et eux, hop, hop, et là, 24-016, ok. On attend qu'ils soient là, voilà. Ils sont là, maintenant on va les taper sur... On va mettre une claque à côté. Non, on va aller là-bas. Eux, on les envoie à Olmou, à Liegnitz. Voilà. On s'en fout. On engage une mire à Tibor. Ouais, bon, en même temps, rien de spécial. Hop, hop, hop. Tout ça. 29 juillet, j'y arrive le 24 juillet, ok. Tout ça, on embarque là-bas. Par contre, la 24-016, celle-là, on va la ramener là-bas. Voilà, maintenant, on va commencer
Voilà, là le but c'est de ramener la guerre chez lui. Hop, ça on fusionne. On va aller libérer Cracovie. Donc Cracovie, on va prendre les deux autres, on les met là. Le premier, on fusionne, il faut 1000 hommes. Le deuxième, on fusionne, il faut 2000 hommes. Donc il me faut 3000 fantassins. Qu'on envoie là-bas et là-bas. Et les 23000 hommes, on les fout. On reste là. Ok. Ok, là on a fini ça. Donc on va dessiéger Istrie. Ah. Lui c'est un full. Donc là, la grosse armée, 37000, lui en faut 2, on fusionne. Et là, on dégage lui, qu'on fusionne ces deux-là ensemble. Il va où lui? Il va à Rawa? Non, il va à Chersnaz. On va aller là-bas, hein. On ira sur Breslau après. Ça, on envoie Ratibor. Autriche occupe Belovar. Bonne nouvelle. Lui, il va aller là. Lui, il va aller là-bas. L'armée est arrivée là. Et maintenant, on va à la Knessen. Lui, on va l'envoyer là-bas. La Knessen le 22 août. Non, lui, on va peut-être attendre que les autres soient là-bas. Voilà, là, on y va. Voilà. Et d'arriver à Trent. Ok, ouais, ça c'est les renforts. Ah oui, c'est la grosse armée, celle-là. Oui, je suis en train de faire une autre grosse armée. Notre gardien réel. Ouais, qu'on garde vite fait maintenant l'ottoman. Combien il y a d'hommes? 127000 hommes. Ah oh, bah oui, dont 91000 ici. Donc 84000, donc 77000, donc 60000. Donc ouais. Ouais. Là-bas, c'est une grosse bataille, il y a beaucoup de morts. Ils ont pris grave cher. J'ai perdu 9000 hommes. Mais comment dire? J'ai perdu 9000 hommes. Donc, ici, non. On va l'envoyer. On va attendre qu'il soit prêt. Il va là-bas. Ici, là, on fusionne. Là, on fusionne. Il me faut donc 4 et 5, 9000 hommes, il me faut. Il me faut 9000 hommes. Donc, on va prendre là. 9000 hommes. Qu'on prend, qu'on envoie là-bas. Lui, on va l'envoyer ici. Et on va recruter une unité de mercenaires. Et on va prendre une autre réserve de mercenaires là-bas. Voilà. Ok. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. À Vieluna, à Trent. À Ratibor. Ouais. On attend que les 9000... Voilà. Ok. Ici. Là. Je dégage la grosse armée, je fusionne, il m'en faut 5. Et là, je resélectionne tout, je dégage celle-là, et là, voilà, j'ai mes 24000 hommes. Avec lui, on va aller dessiéger Chirchaz. On va même aller dessiéger là, machin. On va aller. L'autre, il va là, voilà. Autriche occupe Istrie. Agram. Ok, donc là maintenant, on va aller commencer à aller siéger. Lui, on l'envoie là-bas. Lui, on l'envoie là-bas.
Enfin, lui va là-bas. Lui, on va le foutre là-bas. Et lui, il va à Trivik. Hop! Et on a eu le ting-ting de fin d'épisode. Donc voilà, les gens. Sur ce, on s'arrête là. Bon, bah, cette guerre, en fait, pour l'instant, elle se passe mieux que ce que je pensais. C'est-à-dire que si on regarde vite fait, ben, l'Ottoman, il n'y a que 11 de score de guerre. Mais il a un tout petit peu de lassitude de guerre, 4,6. Il n'a plus d'envie de se battre. Et là, par contre, je pense qu'on va pouvoir faire du. Tchernigov. Alassa, non. Oh, Mamelouk, ah ouais. Je pense qu'on va lui faire relâcher des pays. C'est quoi ça, un accès militaire, terme particulier? Déjà, ça va être. Réparation de guerre, même si j'en ai pas besoin, c'est juste histoire de le mettre de bien lui mettre la misère. Tes thunes. Et surtout de relâcher des pays, quoi. Dans la Syrie, ce serait beau, quoi. La Syrie, la Crimée. 100 de score de guerre. Ouf, quand même. Après, on peut lui faire donner des provinces, tout simplement, hein. Bon, on va faire ça, on va prendre des provinces qui me coûteront 0 de points diplomatiques. Donc là, on va se gaver. On va se gaver. Bon, bah, bref, on verra ça dans le prochain épisode. Donc sur ce, les gens, moi je vous laisse, je vous dis donc bye bye et à demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde!